Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi quotidien qui est issu du programme Millésime Votre Meilleure Année où je vous promets de vous montrer mon quotidien et comment je vis en optimiste. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis arrivé à la gare Montparnasse, j'ai un rendez-vous à Paris demain matin et je voulais juste vous dire que la fatigue est au fond l'ennemi de l'optimisme. Je suis fatigué, j'ai faim, donc ça aussi, j'ai pas bien mangé aujourd'hui. J'avais un petit peu la nausée. Et en fait, quand on est fatigué, on ne supporte plus grand-chose. Alors d'habitude, je suis très très tolérant. Et j'étais assis à côté d'une jeune étudiante en infirmerie, une infirmière, quoi, qui va à Paris pour étudier. Et cette étudiante, il me semblait que tout ne marchait pas. Son chewing-gum faisait du bruit, son ordinateur faisait du bruit, elle se craquait les doigts. Quand elle bâillait, elle faisait du bruit et je ne supportais plus ça. Voilà, c'est la fatigue. La fatigue est l'ennemi de l'optimisme, tout simplement. Alors que d'habitude, je prends ça plutôt avec beaucoup de patience, beaucoup de philosophie. Et je me lève, c'est ce que j'ai fait aussi, je me lève, je vais faire un petit tour au wagon restaurant, voilà, mais juste là j'ai hâte d'aller à l'hôtel pour pouvoir me reposer et passer demain une superbe journée. Allez, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt et puis dormez à temps, ciao.